Florent Manaudou, Joe de Paris 2024, cette grande vedette de télé-réalité avec qui il a été en couple. Dans le courant de l'année 2017, une célèbre candidate de télé-réalité avait fait part d'une confidence particulièrement surprenante sur le plateau de l'émission TPMP, elle a été en couple avec Florent Manaudou. Florent Manaudou est l'un des nageurs français les plus célèbres au monde. Sa carrière a pris un essor spectaculaire lorsqu'il a remporté la médaille d'or du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis, il a accumulé plusieurs prix olympiques, y compris l'argent à Rio en 2016. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le frère cadet de Laure Manaudou est très attendu pour ses performances. Il est notamment en lice pour le 50 mètres nage libre ce jeudi 1er août, une épreuve où il espère décrocher une nouvelle médaille pour la France. En préparation pour ces Jeux, il a dû suivre un régime strict, soutenu par son club, afin d'optimiser au mieux ses performances. Dans son parcours, le célèbre sportif sera encouragé par ses proches, et notamment celles qui partagent sa vie depuis quelques mois. Florent Manaudou, son ex-compagne est une star de télé-réalité. En dehors de la natation, Florent Manaudou a également fait parler de lui pour sa vie amoureuse. Actuellement, il est en couple avec Lola Douménil, une jeune femme éloignée du monde sportif mais très présente dans sa vie. Récemment, il a d'ailleurs fait une déclaration émouvante à son égard. Elle m'apporte beaucoup de sérénité, elle est essentielle dans mon projet sportif mais elle est surtout devenue indispensable dans ma vie, a-t-il récemment confié dans les colonnes de Gala. Cette nouvelle idylle montre que Florent Manaudou a bien tourné la page depuis sa séparation avec Pernille Bloom, avec qui il était fiancé. Néanmoins, ce que certains ignorent est qu'avant d'envisager de se marier avec la nageuse danoise, Florent Manaudou avait entamé une histoire avec une autre personnalité, Capucine Annave. Si est-il du moins ce que l'ancienne candidate de Secret Story avait révélé en 2017 sur le plateau de Touche pas à mon poste. Une confidence qui en avait surpris plus d'un, dont Cyril Hanouna. Je ne savais pas, avait déclaré le présentateur qui, visiblement, n'était pas le seul à ignorer cette information. Une séquence à revoir ci-dessus.